bipait tout le monde. Quand ils viennent ici là, bipait les conseillers à 2 balles. Les gens qui mettent les caméras pour conseiller Nicole Kécha. Les gens qui mettent les caméras pour conseiller Nicole Kécha. Vos familles, vous ne parvenez même pas à conseiller vos familles. Il y a beaucoup de vos familles qui meurent de faim au Cameroun, qui n'ont même pas de quoi manger. Vous voulez venir conseiller Nicole Kécha. Par exemple, partagez le live, ça. Partagez ça. Bipez leur qui viennent ici. Même pour la connexion, là, ça fait une connexion lente. Envoyez les cœurs, parce qu'ils vont vouloir signaler mon direct. Parce qu'ils ne supportent pas le fair play. Soyez fair play. Hein. Soyez fair play. Vous avez compris? Soyez fair play. Hein? Soyez fair play. Vous croyez que vos conseils à 2 balles peuvent faire partie de Nicole Kécha? Je travaille avec Tap Tap Sen et je ne partirai jamais des réseaux sociaux. Vous êtes tellement petit pour faire partie de Nicole Kécha de Facebook. On va voir les gens qui conseillent vos conseils. Pourquoi me conseiller moi? Vous avez raté vos vies. Toutes les femmes qui me conseillent. Tu vois les vidéos à 2 balles. Vous venez me conseiller Nicole Kécha. Une fille qui a plus de la trentaine. Une fille qui a beau ça, qui a si odieux de la scie là. Vous pouvez me conseiller. Hein? Vous laissez vos familles, vos cousines à la maison qui n'ont pas de quoi manger. Vos cousines qui sont dans les villages, dans les petits villages là-bas. Vous ne les donnez même pas à manger. Vous n'êtes suffisant, vous leur conseillez une fille comme moi. Parce que vous êtes tellement jaloux. Je suis pauvre. Il y a compris une autre aussi. Une fille quoi, maman? Une fille quoi? Vous avez l'incroyablement, hein? Vous avez jeté la honte au chien. Tu n'as même pas honte. À cause de la starmania. Tu ne serais jamais star, ma chérie. Je ne prolonge pas ton temps. Tu es la honte, les bassards. La honte, les bassards. Tu es parti manger chez maman Pépé. Elle t'a ouvert sa porte. À cause de la visibilité, tu t'assois. Tu viens clasher ta propre soeur. Pendant que les bambléqués sont réunis pour la détruire. Tu n'as même pas honte. Quand tu t'assois, tu ne peux pas me conseiller. Tu es petite. C'est toi, la même fille là. La même fille bassard, elle était bloquée partout. Quand ma grande soeur est sortie pour la première fois pour me parler, tu es venu à Nibon me faire le congo de ma grande soeur. Tu as dit que non, il avait dit non. Regarde comment elle te parlait déjà, comment elle te parlait. Oh, tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Hein? Tu n'as pas honte? Ta propre soeur, ta soeur Bassa, est acculée. Il y a 22 personnes sur ta propre soeur. La femme qui t'a ouvert la porte à Rennes, à Rouen, tu as mangé chez elle. Tu as mangé chez elle. Tu as mangé chez elle. Tu es venu t'asseoir, la laver. Les abeilles sont montées dans ton lait. On a lavé ta soeur. Ta propre soeur. Le diamant bleu. Tu n'as même pas honte. Parce que vous cherchez la star mania. Ça vous apporte où? Tu ne serais jamais star. Tu as compris? Tu ne serais jamais star. Moi, il y a des gens qui ont payé la Starmania sur Meta. Je n'aime pas. J'ai confirmé encore ça, ma Starmania. Parce que quand je suis sur Facebook, les gens retransmettent mes directs sur TikTok. Ça veut dire que j'ai l'impact sur eux. Sans moi, ils ne peuvent pas vivre. Sans moi, ils ne vivent pas. Quand ils passent sur TikTok, les gens sont là, ils transmettent mes directs. Parce que, bah, ils savent que non. Les gens ont rempli parce qu'on parle de Nicole Kécha. Les gens m'ont rempli pour m'insulter. Mais toi, tu t'assois. Je ne peux pas te prononcer. Tu cherches, depuis des années que tu cherches la visibilité, tu ne serais jamais star, maman. Ma chérie, tu as chié sur ta route. Le jour que tu as déployé ta caméra, quand toi, tu viens me conseiller, hypocrite, ma chérie, quand toi, tu me conseilles, pourquoi tu ne conseilles pas l'autre qui est au Cameroun, qui met sa caméra, qui insulte le diamant bleu, et monte pour parler, pourquoi c'est moi qui viens conseiller? Ta propre soeur Bassa, qui t'a ouvert sa porte à Rouen. Elle t'a venu en manger. Tu t'es assis sur elle pour l'insulter. Parce que tu dis que tu vois, tu la vois venir clasher sa copine. Tu n'as même pas honte. Parce que vous cherchez la Starmania ne convient à personne. Vous avez compris? La Starmania ne convient à personne. Il y a les gens qui sont nés pour être star. Et tu as fait même, tu vas même faire même 100 000 lives. Même sans insulter tout le monde. Tu ne serais jamais star. Tu comprends? Tu ne serais jamais star. Donc tes conseils à la con. Je mets ça où je pense, ma chérie. Tu comprends? Tes conseils à la con, je mets ça où je pense. Hein? Tu as compris? Ne me conseille plus jamais plus. On ne se connaît pas. On n'est jamais amis. On ne se connaît pas. Quand tu partais à l'hôpital d'opérer, tu m'as appelé Anibos. Tu n'as pas honte, ma chérie? Tu n'as pas honte? Quand tu partais t'opérer à l'hôpital, tu m'as appelé Anibos. Pourquoi tu n'es pas allé à la soirée de tes sœurs que tu soutiens aujourd'hui? Pourquoi tu n'es pas allé à la soirée de ma grande sœur l'année dernière? Hypocrite que tu sois. J'étais appelé moi, Nicole, à Messenger. J'étais dit que ouais. On m'a offert une table. Viens, on s'y en pas. Tu as dit que non. Tu as ma femme fait le Congo, ça que, il y a ta copine qui voulait faire l'anniversaire le jour de la soirée de ma grande sœur. Que non, tu ne peux pas que ta ma grande sœur t'a trop énervé. Machin, tu ne peux plus partir. Tu vas aller t'opérer et tout et tout. Hein? Mettez la tête de moi, je bloque la personne. Hein? Hein? Tu as dit que tu ne peux pas partir parce que tu vas aller à l'hôpital, tout et tout. J'étais supplié que tu viens à la soirée de ma grande sœur. Tu as dit que tu ne venais pas, non? Tu sais que tu ne venais pas, non? Mamie Congo, ça que tu sois, maman. Je te prononce pas. Les gens qui sont, c'est toi, hein. C'est toi. J'ai pitié de toi. Tu n'as même pas honte. Vous les bassins, gardez-toi.
Regarde-toi, à cause de la Starmania, tu viens verser celle qui t'a ouvert la porte à Reims, à Rouen. Tu as mangé chez elle. Tu as mangé chez elle. Tu crois que, tu vas en t'alignant avec les gens là, avec la team de moins que rien, tu vas devenir quelque chose. Il y a les gens qui ont payé 1000 euros pour la Starmania, ça n'a pas donné. Il y a les gens qui ont pris 1000 euros pour la Starmania, ça n'a pas donné. Maman, va payer ta Starmania, on va chop ça. On va manger ça. J'ai confiance. Donc ne viens plus jamais déposer ta misérable caméra, tu me parles. Tu as compris? Quand ma grande soeur a mis le Nitty l'autre jour pour sa mère, quand elle avait mis le PayPal pour que sa mère voyage, toi, tu es venu faire une vidéo que, moi, voici, je m'en vais au travail. Tu as monté ta chaussure avec qui tu partais au travail, non? Hypocrite. Que les gens qui passent le temps, tu t'amuses, je vais sortir la vidéo, la mettre dehors. Mais pour moi, tu ne serais jamais star. Donc je ne perds même pas mon temps à te parler, à chercher ta vidéo. Tu as compris? Parce que tu as fait que mon nom donne les vues. Mon nom. Vous avez compris que mon nom donne les vues. Ça vous êtes à soi, n'importe quel cancre là, n'importe quel crabe à soi pour dire que je donne les conseils à Nicole Kecha. Tu me donnes les conseils, ma chérie. Hein? Avant de me donner les conseils, hein? Voilà que ton mari t'épouse. L'homme avec qui tu vis dans ta maison. Qui t'épouse, on voit. Quand vous lui donnez les conseils à Nicole Kecha. Vous avez compris? Les rate espèces. Les gens qui te suivent là, ce sont les haineux. Parce qu'aujourd'hui, ils ont fait la paix avec notre cas. Ils sont bien de détester une personne. C'est ça qui te suivent. Attends, quand le reine-mère va retourner sa veste, qu'elle va dire que non, je suis avec ma copine une place. Vous toutes là, vous rentrez encore à la maison. La honte va vous prendre pour vous. Hein. Continuez toujours. J'ai vu Facebook de loin. Facebook là, j'ai vu Facebook. Je reste avec le diamant bleu. Aujourd'hui, demain, après-demain. Vous allez que mourir. Vous avez compris, non? Donc je passe sur toi. Je passe sur toi. La première et la dernière fois. Si tu mets encore ta caméra, ta maudite caméra, tu parles de Nicole Kecha. Tout le monde n'est pas ami. J'étais bloqué le jour où tu as manqué le respect au diamant bleu. J'ai compris que tu es une fausse fille. Et que moi qui pensais que tu es différent de d'autres personnes, moi qui pensais que tu étais différent de d'autres personnes, d'autres blogueuses jeunes de la diaspora, mais j'ai compris que tu es entré dans le même lot parce que tu veux être star. Parce que tu veux être star, ma chérie. Tu as compris? Ne mets plus ta caméra pour parler de moi. Ne parle plus de moi. Parce que je ne te dois rien. Tu enlèves ta mère dans le carbo. Ta mère vit où? Tu veux qu'on parle de ta vie? Quand tu as parlé de moi, ma chérie, ta vie m'est sortie. Tu veux parler de, tu veux raconter ta vie? Quand tu as parlé de ma vie, quand tu as mis Nicole Kecha, les gens sont venus me parler de ta vie. Ta mère dort où? Tu as conçu chez vous? Tu as conçu à aider, hein? Enlève ta mère dans le carbo. Oh, les gens, enlève ta mère dans le carbo. Le carbo n'est pas une maison. Aux États-Unis, on le carbo aux États-Unis. Aux États-Unis, au Canada, les gens vivent dans le carbo. Vous avez compris? On est né dans le carbone. On est né dans le carbone. Nos grands-parents sont nés dans le carbone. Ils nous ont, on a mangé dans le carbone. On s'est lavé dans la douche interne. Vivre dans le carbone, c'est pas un péché. Vous avez compris? Va vivre dans le gratte-ciel. Enlève ta mère. D'où ta mère vit. Conçu pour ta maman, on voit. Espèce de bébé que tu sois. Tu as besoin de parler de moi pour qu'on me déteste. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte, ma chérie? J'étais encouragé ici sur les réseaux sociaux. J'ai partagé tes directs, ma chérie. J'étais encouragé. Espèce d'ingrate que tu sois. Tu pensais que quoi? Que parce que ma grande soeur m'a dit que ne fais plus ça, que ça m'est déstabilisé. Je suis pas, tu as ma performance sur TikTok, non? Je suis allé sur TikTok, les gens retransmettent mes lives. Les gens retransmettent mes lives. Parce que quoi, j'ai l'impact. Donc, ne porte plus ta misérable caméra sur moi, que tu me parles. Parce que tu n'es rien. Tu as chié sur ta route. Je crois que tu étais différente, mais j'ai compris que tu n'es rien, que tu es ingrate. Tu es envieuse, tu es jalouse du diamant bleu. Vous le côté Bassa, vous les jeunes, vous les Bassa là, qui fait les directs, vous êtes jaloux d'elle. C'est les Bambidike qui la soutient, vous n'avez même pas honte. Vous toutes, vous vous mélangez sur elle pour la détruire. Vous n'avez pas honte. Vous ne pouvez pas prendre sa place parce que les 5, les 10 doigts ne sont pas pareils. N'importe qui a sa chance. Toi, tu as la chance de travailler, mais tu vis avec un gigolo. Si tu es une femme, demande à ton gars de t'épouser en voix. Qui t'épouse en voix. Vivre avec un homme, c'est pas synonyme de mariage. C'est quand l'homme te valorise, t'amène à la mairie. Il t'assume devant monsieur le maire. Donc, ne viens plus me conseiller. Si tu essaies encore de me conseiller, tu me poses encore ta caméra me conseiller. J'ai venu parler de ta propre mère. Ben, tu as prononcé ma mère dans ta putain de bouche. Un moment, vous allez arrêter votre haine. Vous prenez, attends. Quand je vous laisse, quoi que j'ai peur de vous. J'ai peur de personne. Vous avez compris? Je n'ai peur de personne. Et Meta n'a pas été pour minuscule de personnes sur Facebook. Vous allez venir vous asseoir. Venir me dire n'importe quoi. Je vous amène. Je te mets ça où je pense. Prends. Tu comprends? Prends ça. Il saute, va. Mamie Congo, ça. Tu n'as même pas honte.
Tu n'as pas honte. Tu aimes trop ma grande soeur là. Hein? Tu veux que je raconte ce que tu m'as dit d'elle? Tu veux que je parle ce que tu m'as dit d'elle? N'importe quoi. Ta honte t'a foutu le camp. À cause de ta manière, vous êtes capable de tuer les gens. Donc, toi, tu n'es même pas intéressant. Je passe sur toi. Parce qu'au moins, c'est toi, on a eu l'occasion un peu de parler à Nimbos. Quand on a parlé à Nimbos, c'était pour la soirée. C'était pour la soirée de 2023. C'est ça. Mais tu n'es pas parti. Tu as compris que tu es fausse. Et tu as dit beaucoup de choses. Avant de nous asseoir, avant de venir t'asseoir, critiquer le diamant bleu. Regarde-toi d'abord. Regarde ton derrière. Ce que tu as parlé de ma grande sœur pour sa soirée. Pourquoi tu n'es pas parti? Tu as dénigré. Tu que tu n'as pas accepté la façon qu'elle t'a parlé. Que tu lui as demandé une faveur pour l'anniversaire de ta copine pour qu'on devait célébrer ça le jour de la soirée en 2024, en 2023. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as dit ça? Mamie Congo, ça. Aujourd'hui, tu viens t'asseoir maintenant. Tu viens t'asseoir pour critiquer le diamant bleu. Pour me critiquer. Espèce de manipulatrice que tu sois. Petite villageoise. Essaye encore sur moi. Ta vie. D'aider, elle va sortir. Parce que vous êtes déjà des personnes que tu t'assois. Il y a un conseil, Nicole, que tu as partagé mes produits un jour. Tu as partagé mes produits un jour. Tu as partagé mon tap-tap un jour. Hein? Vous attendiez que moi, je dépose ma caméra pour insulter ma grande soeur. Jamais. Au moins, c'est elle. Elle a partagé mon tap-tap. Au moins, c'est elle. Elle m'a valorisé sur son anniversaire. Et vous allez voir. Elle va encore me valoriser. Dites, pour vous faire mal, pour vous faire mal en septembre, je vais faire ça. Publicité dans un client. Vous aurez le quatre. Continuez. Vous ne connaissez pas les rois de Facebook. Vous ne connaissez pas ce que Facebook est votre haine à deux balles. Je quitte sur toi, ma chérie. Dans la prochaine fois que tu vas mettre ta misérable caméra sur Nicole Ketcha, je vais finir avec ta famille Aïdéa. D'où ta mère dort. Que tu oses venir parler, que enlève ta mère dans le tableau. Comment une autre, maman? Les filles qui passent le temps à nourrir les hommes à Paris. Tu me casses, regarde-moi bien. On t'a dit que ça quelqu'un qui peut nourrir un homme. On t'a dit que ça quelqu'un qui peut nourrir un homme. Qui peut nourrir un homme. Parce qu'il n'y a même pas de quoi manger pour nourrir un autre homme. Tu as compris? C'est l'homme qui me donne. Tu me donnes pas, tu fiches au camp. Elle ne choque pas. Hein? Et c'est ça. Le temps que vous m'avez détesté sur la toile. Maman, un homme mystérieux m'est entré dans ma vie. Mystérieux. Vous croyez que vous allez détester tout le monde? Hein? N'importe quoi. Continuez encore avec moi. Ish! La honte des bassas. La honte des bassas. Je croyais même que tu viens sortir même une dedans. Pour faire même l'exception. Mais toi, tu viens encore t'enfoncer encore pour détruire à cause de la star mania qui va vous apporter nulle part. Aucune star. Voilà le Cora. Le Cora. On a nominé les vrais influenceurs. Donc, vous qui êtes sur Facebook, vous amusez que la galerie. La galerie. Au moins, c'est ma grande soeur. On peut faire comme ça. Moi, c'est elle. Elle voyage. Mais le reste, avec le diamant bleu. Au moins, c'est les deux femmes là. Ma grande, c'est le diamant bleu. Au moins, c'est les deux gens. Un voyage. Ils signent leur contrat. On voit. Le reste, c'est le cabinet et le Wataout. Vous avez compris? Donc, vous allez beau faire pour que je clashe cette femme. Je ne vais jamais la clasher. Et vous allez voir, je vais faire sa publicité en septembre. Le goitre va vous arranger. Parce que ce que tu pas haineux. Quand tu m'as tendu la main, je connais. Donc, ma chérie, tu vas beau parler de moi. Les abeilles vont venir m'insulter, se masturber dans tes lives. Mais pour que j'insulte leur reine mère. Mais l'expérience a prouvé que quand ma grande soeur partait au Cameroun, elle m'a appelé avant de partir au pays. C'est ça. Au moins, c'est ça. Avant de partir au Cameroun, elle m'a dit, ma fille, je m'en vais au Cameroun. Elle m'a dit, ma fille, je pars au Cameroun. Avant de partir au Cameroun, elle m'a appelé. C'est ça. Donc, le goitre va vous charmer, vous choquer. Si je veux, je l'appelle, elle va décrocher. Donc, pour te dire, ta gouverne, si tu mets encore ta caméra, toi, la fille, Bassala, tu essaies encore de parler de Nicole Ketcha. Je vais verser ta vie d'aider. Parce que tu n'es pas caché. Quand tu as parlé de moi hier, c'est même pas venu en inbox. Tout m'est parvenu en niveau. Et ta misérable vie de Paris. Et ton gars avec qui tu vis. Le père de ton enfant avec qui tu vis. Maman, prépare-toi. Tu es une femme. Et moi, je défabrique très mal. Tu comprends? Je défabrique très très mal. Je ne suis pas un fauve comme toi. Tu peux être sûr comme le diamant bleu. Tu vas manger chez elle. Elle t'ouvre la porte. Tu manges chez elle. Tu viens encore l'insulter. Toi-même, tu as dit dans ton propre direct. Tu t'es vendu seul. Alors que normalement, tu devais venir la soutenir malgré tout ce qu'on lui fait sur la toile. Vous les bassas, vous êtes retournés contre elle. Parce qu'elle est la seule blogueuse qui tient tête au mauve des Bamlekés. Donc toi, je passe sur toi. Et je tiens encore dit à une femme là, qui a une page Congo ça. Elle est comme la baleine. La baleine. Tu es grave. Elle a des entrejambes qui sent la merde, qui pue la merde. Elle, tu fais le diant sang. Moi, je ne fais pas le diant sang. Tu comprends? Moi, je ne fais pas le diant sang. Tu fais le diant. Tous les femmes qui font le diant sang ici, les entrejambes, ça pue la merde. Ma chérie. Tes vidéos, toi, tu es tellement riche, tu es riche comme tu dis,
Mais tu coupes les vidéos pour voir manger. Tu coupes les vidéos de Nicole Ketcha. On m'insulte, tu manges avec. C'est l'argent du sang. Maman, tu essayes encore de mettre. Je vais dire à tous les pages comme ça. Parce qu'on m'a montré comment on signale le droit à l'image. Le droit à l'image. Quelqu'un met encore sa caméra pour parler de Nicole. Si tu ne parles pas en bien de moi, je ne vais pas signaler à Facebook pour le droit de l'image. Ta page saute. Je ne blague pas. Parce que quand tu parles mal de moi, les gens viennent s'abonner à ta page. Tu manges ton argent. Moi, je ne mange pas. Tu ne me donnes même pas 5 francs. Vous coupez les vidéos des gens. Vous êtes tellement riche. Vous faites quoi sur Facebook? Vous faites quoi sur Facebook? Avec vos richesses là. Vous faites quoi? Vous êtes toi, la fille qui coupe les vidéos là, qui est grasse, qui pue, avec un jansan qui a raté. Toi là. Tu fais quoi sur Facebook? Tu es tellement riche, non? Tu as conçu à ta maman. Tu as conçu à ta mère. Va conçu pour ta mère. Mais tu es sur Meta à couper nos vidéos pour manger. Tu viens encore m'insulter. Essaye encore de couper mes vidéos. Essaye encore de parler de moi. Tu mets mon nom. Tu mets mon visage. On va sauter ta page. Facebook va te retirer. Tu vas voir. Parce que tu utilises mon image. On m'insulte. On m'insulte. Il faut arrêter votre hypocrisie. Quand vous voulez manger derrière les gens, mangez avec respect. Vous prenez nos vidéos. On nous insulte. Vous gagnez votre argent. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Bande de haineux. Regardez le bloc camerounais. Regardez comment c'est ressenti. Tout la haine. Vous rassemblez pour une seule personne, pour détruire une seule personne. N'est pas honte. Moi, le diamant bleu, on vous donne quelque chose. On vous donne quelque chose. Je tire à tes dix, ma chérie. Je tire à tes toi qui j'ai la page là. Toi qui j'ai cette page. Essaye encore de couper mes vidéos. Tu mets mon image. Même si une personne qui fait les tirs avec mon nom. Parce que moi, je ne parle pas de vous. Hein. Moi, vous ne m'intéressez pas sur la toile. C'est moi qui vous donne à manger. Vous avez compris? Si tu fais encore un. Tu parles encore de moi. Tu mets mon nom. Je signale à Facebook pour le droit d'image. Pour le droit d'image, tu vas voir. Vous allez arrêter ça. Le bloc ivoirien n'est pas comme les Camerounais. Mais le bloc camerounais, c'est la sorcellerie. C'est la pure sorcellerie. Vous croyez qu'en venant les vidéos sur moi, ou Nicole, que tu es content, vous pouvez faire partie? Qui? Une fille de Bépanda. La bosailleuse, maman. Une fille de Bépanda. Vous croyez que vous pouvez me faire partie? Une garde de Bépanda. La bosailleuse. Maman. Quand je vois aussi les gens monter dans les aides m'insulter, toi la fille qui monte dans le direct de croix, croix, tu m'insultes. Toi, tu es pas mieux. Si tu es une femme, sors du noir, tu te montres voir. Au moins c'est moi. Je me montre, on me voit. Malgré, on m'insulte. Mais je gagne derrière Facebook. Je travaille avec Tata, il me paye tous les mois. Tu comprends? J'ai réussi derrière Tata. Malgré votre sabotage, vous partez me saboter partout. Vous ne pouvez pas me saboter, maman. C'est Dieu qui donne. Vous avez compris? Donc, continue toujours tes jaloux derrière moi. Donc, comme j'ai parlé des pages comme ça, là, je ne veux plus. Si tu ne coupes pas ma vidéo en me parlant, tu parles bien de moi, tu laisses. Si tu parles mal de moi, tu recortes. C'est tout. Voilà. Bon, partagez le direct. Bonjour à tout le monde. Excusez-moi si j'ai un petit bréfé. Parce que je réponds à une fille basse là qui croit qu'elle est déjà arrivée. Qu'elle va s'asseoir, venir dire qu'elle va conseiller Nicole Ketcha. Enlève ta mère dans le cas. Montre ta propre mère vit où? Ta mère vit où? Montre où vos mamans vivent. Montrez où vos mères vivent. On voit où vos mamans vivent en Europe. Tous les faux profils qui se rassemblent pour parler de moi dans les directs. Montrez où vos mamans vivent. On voit. Les mamans vivent dans les maisons où on tire, on enlève. Vous n'avez même pas honte. Vous croyez que vous pouvez déstabiliser. Vous ne pouvez pas me déstabiliser parce que moi, je ne vends pas le dongo. Mon anus est fermé. C'est comme ça. C'est fermé. Je ne vends pas le piment comme vous. Vous vendez le piment. Nicole Ketcha ne vend pas le piment. On me donne. Vous avez compris? Vous avez compris avec quoi? Mélangez vous-même sans sur Nicole Ketcha. Je suis une guerrière. J'ai pas peur de l'asca comme vous, c'est juste la jalousie à deux balles. Parce que quand quelqu'un n'est rien pour toi, tu ne parles pas de la personne. Quand je ne suis rien pour toi, tu ne parles pas de moi. Si tu parles de moi, ça veut dire que quelque chose, il y a quelque chose en moi qui t'attire. Donc je n'ai pas peur de vous. Vous avez compris? Bon, je passe sur vous maintenant. Je passe sur toi. Étais prévenu pour la petite Bassala. Pour toi seulement. Pour toi seulement. Je vais te faire ça dur sur Facebook. Parce que ta vie, la vie de ta famille m'est parvenue. Pour toi seulement, je te fais ça dur. Parce que tu es hypocrite et manipulatrice. Tu es une fille mauvaise. Tu peux aller manger chez quelqu'un. Tu viens t'asseoir, tu l'insultes sur Facebook. C'est la plus méchante, c'est la sorcellerie. Tu peux même tuer le diamant bleu. Pour toi, c'est moi, je vais te traiter. Rallie même toi, tous les types de la toile. Si moi, en 2 ans, les sales pipimanias ne m'ont rien fait, vous croyez que ce sont les gens qui peuvent me faire quoi? Hein? Le même Dieu que vous priez, moi, je prie le même Dieu. Moi, je prie Dieu. Je dors bien. Je mange bien. Je n'ai pas l'or du monde sur moi. Regarde la bique, regarde ma robe. Je n'ai pas l'or du monde sur moi. Je m'habille à ma juste valeur. Moi, Nicole Ketcha, je m'habille à ma juste valeur. Je m'habille selon mes moyens. Vous avez compris? Je ne vole pas. Je ne vends pas le ndongo comme vous vendez le ndongo. C'est ça qui peut vous tuer. Tu as compris? Voilà. Donc, à bon entendeur, salut. Mes chers frères et sœurs, bonjour à tout le monde. Si je suis venu ce matin, je veux que vous m'écoutiez. Je vais revenir sur l'affaire
Je veux que vous m'écoutiez. Les réseaux sociaux, c'est la manipulation. Les réseaux sociaux, c'est la haine. Le bloc camerounais, c'est la haine et la division. On a vu les clans qui se sont formés pour détruire deux personnes, le diamant bleu et sa fille qui est Nicole Kedja. Nous avons vu tout ceci sur la toile. On a encore vu sur la toile ici que il y a les gens, le diamant bleu a fait un semblant de publier une femme. Elle n'était pas nue. Les gens ont fait les posts pour dire que le diamant bleu a publié une femme. Ma pauvre maman est passée dans le direct de la fille, la sale fille qui est en Allemagne, qui n'a pas le soutien à sa taille. Elle n'a pas le soutien gorge à sa taille. Les gens n'ont pas fait le direct pour dénoncer. Mais je vois les gens s'asseoir et dire que oh, Nicole Kedja n'a pas le bon blogging. On dit que Nicole Kedja n'a pas le bon blogging parce que Nicole Kedja est ralliée au diamant bleu. Parce que je n'ai pas dit, j'ai refusé de faire la paix avec Pipi. On dit que Nicole Kedja n'a pas le bon blogging. Parce que en dehors de Nicole Kedja, les autres personnes qui font les directs, qui s'accrochent sur le diamant bleu, qui insultent le diamant bleu, c'est ces gens-là qui ont le bon blogging. Mes chers frères et sœurs, nous avons vu encore ici sur la toile, on a nominé au Cora les vrais influenceurs au Cameroun. Il y a un monsieur qui s'appelle Philippe Simon, et encore un autre influenceur là-bas. On vient nous tromper ici sur la toile que, oh, qu'il faut qu'on s'accroche sur telle personne. Accroche sur la personne qui est bonne, qui est une bonne personne. Nous avons encore vu ici sur la toile que un monsieur, un papa s'est mis sur la toile, dit ici que Perpétue Maléba, je vais ouvrir le cercueil, je vais te mettre à l'intérieur. Je n'ai vu aucune femme, aucun homme sur la toile venir dénoncer ça. Nous avons encore vu sur la toile, et c'est encore que sur la toile, que encore le même monsieur a dit sur la toile que cette même femme c'est 25 fois par jour. Et les mêmes femmes qui dit qu'ils parlent, les femmes qui sont en train de dire qu'ils soutiennent la femme, ces mêmes femmes sont montées dans le direct pour ils sont montées dans le live, hein, pour apprécier ce que ce monsieur a fait. On le connaît que c'est solidarité féminine, on doit dénoncer ça, parce qu'il y a le aide-moi à détester. Ce même monsieur est encore venu sur la toile encore ici, amener encore un infime, dit que, venir saboter une milliardaire qui peut aider tous les pauvres, les mêmes gens, une blogueuse qui a raté sa vie, que sa vie a raté, venir dire que la milliardaire peut coucher avec cet infime-là. Je suis venu encore sur la toile moi-même, venu dénoncer par rapport à ma mère que la baïresse poursuit ma mère partout avec les photos que ma mère est à l'agonie. Personne n'a dénoncé ça. J'ai dénoncé ici que Pipi avec ses gangs des braqueurs au Cameroun veut séquestrer ma mère. Non, j'ai vu les gens voulant m'enculer, voulant me dire que oh Nicole Kedja, oh c'est toi. Donc Facebook pour vous, Facebook vous appartient. Donc quand Zuckerberg a créé Facebook, attendez un peu, attendez, mettez la tête de moi sur quelqu'un qui... Attendez, mettez la tête de moi, je vous lis, hein, mettez la tête. Attends, il y a une personne qui a commenté, voilà, tu vas aller te reposer, sale chienne, villageoise. Ah. Mettez la tête de moi, mettez la tête de moi, parce que je vous mettez la tête de moi. Hein? Je suis venu ici dénoncer que l'ancien bailleur de ma mère poursuit ma mère avec les photos pour dire que non, ma mère est à l'agonie. Les gens sont venus se moquer de moi. J'ai vu la saleté femme d'Endale, une poubelle, une pourriture que... L'habillement, même. Regarde, Endale, regarde mon habit. Hein. Endale, regarde-moi bien. Je n'ai pas mis le soutien à Endale. Mais toi, tu ne peux pas mettre un habit comme pour moi. Endale, je t'ai bloqué sur TikTok. Parce que pour moi, tu n'es rien. Tu suivais ta star. Maintenant, Endale, tu vas encore aller fabriquer un autre TikTok en faux profit pour t'abonner à ma page. Pour commencer à transférer mes directs. Je te dépasse. Parce que tu es bloqué. Tu t'es abonné à ma page. Je ne me suis pas abonné à ta page TikTok. Endale, regarde-moi bien. Je te dépasse de très loin. Tu as fait le dialogue autorité, tu es monté à plus de 300 personnes. Tu parlais de Nicole Kedja. Tu parlais de moi. Et quand tu te regardes, Endale, tu ne me peux pas. Tu ne peux pas le diamant bleu. Tu es tellement sale. Quand tu regardes à travers l'écran, tu donnes envie de vomir. Quand ton mari, mon frère Bambleke se fait l'amour, il met le thé de rire. Bah, tu pues de la bouche et tes dents. Quand tu es grasse, Endale, quand tu es grasse, il y a une odeur nauséabonde qui sort d'en toi. Tu es venu parler de Nicole Kedja. Tu es une grosse manipulatrice. Tu es une grosse manipulatrice. Il fallait laisser le criquet m'insulter. Et d'aller, quand tu vois Douan m'insulter, Nicole, tu t'es excité, tu es tellement excité. Parce que j'étais bloqué partout. Tu n'arrives pas à croire qu'une fille comme moi, qui vient d'arriver, me dépasse. Et d'aller, je ne te dépasse pas, mais je te dépasse en amour. J'ai ce que tu n'as pas. Tu as trahi ta propre soeur qui t'a tendu la main.
D'où tu es là maintenant, on ne t'aide même pas. Tu ne vends même pas tes conneries. Là-bas. Tu es tellement... Tu as tellement la rage en toi. Tu n'arrives pas à comprendre l'amour qu'on apporte à ta propre soeur. Endale. Tu as vu ta soeur venir jusqu'à elle. Elle a mis les verres, les anciens verres. Elle croit qu'elle est tellement belle, maman. Endale, moi aussi. Je n'utilise pas les savons de merde. Vos savons à la con que vous fabriquez là. J'utilise mes laines simples, mais je suis plus belle. Tu es obligé d'aller fabriquer ton savon de AliExpress. Pour être belle. Parce que tu veux faire brunir ta peau. Moi, je suis naturelle, belle. Mon savon n'atteint même pas 2 euros. C'est ça que moi j'utilise. Je ne comprends pas ma peau. Et regarde-moi bien. Tu ne peux pas porter une robe comme pour moi si. La robe que tu peux porter. Regarde-moi bien. Les seins encore bien debout. Maman, je te dépasse. Tu prends mes restes. Venez Germaine avec qui tu es. Elle et moi n'a pas de problème. Venez Germaine avec qui tu es. Elle et moi n'a pas de problème. Tu prends les restes de ta petite soeur. Tu n'as pas honte, maman. Et là, tu baves sur moi. Tu n'avais pas préparé le bandolet. Tous les clients. Tu as refusé de faire la cuisine. Maintenant, tu vas les conneries de AliExpress. Tu veux parler de Nicole Kechia Endale. Puisqu'il faut la voir comme elle parlait de moi. Tu peux me conseiller, moi. Pourquoi tu as fui l'Italie? Au moins, c'est moi. J'ai fait mon enfant avec une Italienne. Toi, tu as fait ta femme avec un Sénégalais. Un Sénégalais, maman. Le tout pourri. Le dernier. Les Sénégalais qui vendent là, à la plage. Tu veux parler de Nicole Kechia. Tu ne peux pas sortir le mari qui sort. Il y a un gars en Italie qui était mort. Tu courais derrière le monsieur là. Le monsieur là t'a barré. Parce que là, tu sens du bas. Tu as venu parler de moi. Tu peux parler de Nicole Kechia. Vous ne voyez pas qu'on m'insulte. Vous ne voyez pas. Tu peux parler de Nicole Kechia. Tu viens de supplier, non. Tu payes l'amour. Tu payes le monsieur qui te niasse. Chaque nuit, ouais, chérie, elle supplie. Pardon, niasse-moi, niasse-moi. Maman, moi, je ne supplie pas qu'on me niasse. Je ne supplie pas qu'on me niasse. On me niasse quand on veut. Je ne supplie pas. Par contre, toi, tu supplies la niasse. Tu as oublié de laver ton couetou 10 fois par jour. Parce que l'odeur qui sort du couetou, ça sent mauvais. Tu as souvent venu parler de mes coques. Tu essayes encore avec moi, Indale. Qui derrière moi très bien te doit rien. La plus sale femme des doigts là, tu es tellement sale. Je ne suis même pas sûr que tu es mal tes doigts là. Tu es une tchan. Parce que même une tchan, même, tu es tout pourri. Parce que les vraies femmes doigts là sont tellement. Ils sont maniaques. Regarde maman de l'aimant d'or. Regarde maman de l'aimant d'or comme elle est maniaque. Elle est propre. Elle est sérieuse. Quand tu la vois à distance, elle est sérieuse. Malgré ses rondeurs. Cette femme est séduisante, elle est très belle, mais toi, tu as envie de vomir. Parce que tu es tellement aigrie et jalouse. Tu ne peux pas ta propre soeur. Tu es jalouse. C'est Dieu qui donne ta manière. Et d'aller, depuis que tu forces, ça ne donne pas. Tu as oublié d'accrocher au diamant bleu. Je suis venu parler de Nicole Kechia. Ça fait combien de jours, combien de mois, tu ne parles plus de pipi. Ça fait combien de mois, moi, Nicole Kechia, tu ne parles plus de pipi. Je parle d'elle en passant. Mais vous, sur Facebook, vous êtes tellement aigreux et haineux. Vous accrochez sur le diamant bleu tous les jours que Dieu a créé. Vous ne voyez pas ça. C'est sur Nicole Kechia que vous voyez. Ça fait une semaine. Combien de jours, combien de semaines, je ne parle même plus de cette femme. Si on fait les directs sur elle, j'entre, je commande, je la lave dans les directs des gens. Mais déposez ma caméra, je ne parle plus de cette femme. Mais vous, vous êtes accrochés au diamant bleu. Parce que vous avez compris que c'est elle qui donne la Starmania. C'est elle le neuf de Facebook. C'est elle qui a la télécommande. Parce que quand elle sort, elle parle. Allez, les esclaves se mettent à lancer les diapos pour parler, pour riposter. C'est ça. Elle a pris le pouvoir. Et d'aller, quitte derrière moi vite, maman. Hein? Tu es venu en Italie. Tu as fui l'Italie. Parce que le Sénégalais a refusé d'être avec toi. Il a préféré rester avec une Italienne. Tu es venu en France, tu as racolé mon frère Bamneke, tu supplies le mariage, tu as comment supplier le mariage, maman. Hein? Maman, même si je suis où? Mais je viens dehors, pas dehors, Endale. Le père de Marie me donne l'argent. Le père de Marie met l'argent dans mon compte. C'est de ça qu'il s'agit. Endale, si tu veux me marier même demain, je ne vais pas signer avec le père de ma fille. Endale, je ne vais pas signer avec le père de ma fille, tu ne me peux pas. Tu es petit devant moi. Je te dépasse très mal. En carré, en beauté, tout. Mes entrechambres ne sentent pas mauvais. T'as pas sens, ça pue la merde. Quand tu t'assois, les gens montent dans ton dire pour m'insulter. Toi, tu es quoi? C'est toi que je ramasse. Tu es la plus sale femme des deux doigts là. Tu as compris? J'ai encore appuyé play. Tu vas encore aller m'insulter. Ça fait que mon nom va rester sur Facebook. Mon nom ne peut pas s'éteindre. Tu as compris? Sans tes sales trucs que tu vends là, tu peux pas être clair. Malgré même tout ça, il y a encore les taches sur ton visage. Tu baves. Tu n'y parles de Nicole Kechia. Tu peux parler de Nicole Kechia. Tu peux parler de moi, Indale. Tu peux parler de moi. Les gens peuvent parler de moi, mais toi, tu peux pas parler de moi. Tu peux pas parler de moi, Indale. Tu ne peux pas parler de moi. Donc, pour te dire que pour te donner, quitte derrière mon cul. Je ne suis pas une lécheuse. J'aime le bon plantain.
Je ne lèche pas les femmes. Donc quitte derrière moi vite. Très vite même. Tu as compris? Voilà. Quand vous restez, je prends maintenant côte basse. Un pied et demi. Du camino. Saleté. Pourriture. Celui qui a resté, celui qui a laissé ses noyaux à la barrière du Maroc et de l'Espagne. Il est entré avec ses un pied comme ça. Le plus sale, quand tu vois à travers la caméra, tu sens la moisissure. Tu sens la moisissure comme ça. Côte basse. Aucune femme ne te valorise. Tu cherches quoi derrière mon cul tous les jours? Tu m'insultes tous les jours. Je te dois quelque chose. Tu cherches quoi derrière mon cul tous les jours? Je te dois quelque chose du camino. Je ressens ma vie que tu peignasses. Du cacadaf. Du cassalété. Du camindi. Quand toi tu viens me compte. Du camino. Quand toi tu dis que moi, Nicole Kecha, je t'aime. Toi tu es un bon blogueur du camino. Tu t'es accroché. Tu as fait de ton blog le diamant bleu. Tu parlais d'elle. Si tu ne parlais pas de moi, tu n'aurais pas les vues. L'expérience a prouvé. Tu étais en direct aujourd'hui, non? Tu étais avec 21 personnes en ligne. 21 personnes. Tu as pris l'histoire du cricket. Tu dis que je soutiens le cricket, que le cricket vient à son avocat. Elle est où? L'avocat est où depuis? J'ai donné mon numéro, mon nom, Nicole Tchatchet. J'ai demandé que le cricket vienne avec son avocat en Italie. Je soutiens le cricket. Non, le cricket doit me donner une leçon. Regardez-moi bien même. Quand tu regardes le tir, le cricket et moi, il y a match. Il n'y a pas match. Je la dépasse en cours, en chair, en poitrine. En tout, en tant de fesses, mais elle n'a rien, elle est plate, elle n'est même pas attirante. Du camino, aide-moi à détester. Tu es monté dans le direct du couple des jumelles. Il t'a fait descendre comme un petit toutou, comme un petit chien. La honte t'a pris. Je ne suis plus dans la team. Tu vas continuer. Tu serais dans la team de vérité. On va t'écraser. Tu es dans le air. Tu es obligé d'insulter les gens pour te faire voir. Quand on te regarde, on sent la solitude, on sent la souffrance. On sent la souffrance, on sent. Vous ne voyez pas quand vous m'insultez. Quand vous m'insultez, vous ne voyez pas. Les gens montent, on m'insulte. Maman, ça me fait, je niaise bien même. Du camino, le plus sale de Facebook. Le mendiant le plus raté. Tu as mis ton PayPal et qui ont cotisé. Du camino, tu as mis ton PayPal et qui ont cotisé dans ton PayPal. Personne. Parce que tu n'es rien. Tu veux comprendre qu'on ne t'aime pas dans les réseaux sociaux. On ne t'aime pas. Tu as compris? On ne t'aime pas. Dans la vie réelle, tu n'as personne. Tu n'as personne dans la vie réelle. Tu essaies encore de parler de ma fille, du camino. Ne parle plus de mon enfant. Moi, je suis avec ma fille. Toi, tu es avec qui? Où sont tes enfants? Les enfants que tu as reconnus. Du camino, si je mens, viens mettre l'acte des enfants, on voit. Du camino, le défi que te donne. Viens mettre l'acte de tes enfants. Ce sont tes propres enfants, on voit. Tu as compris? Je suis avec ma fille matin, midi, soir. Je suis une bonne mère. Vous valorisez une personne qui part en boîte de nuit, abandonne un ado de 12 ans à la maison. Vois le genre de personne que tu as pas. Maman! Tu dis que moi j'ai accouché, j'ai versé le sang. Hein. Dans mon ventre, j'ai versé le sang. On m'a opéré deux fois. On a enlevé le fibron. On a enlevé Marie Aurora. Maman, je suis une belle femme du camino. Maman, tu veux valoriser qui? Pipi ne peut même pas te niasse. Tu n'es même pas son genre de gars. La personne que Pipi a envie de niasse, c'est Amer Kamer. Du camino, tu n'es pas le style de Pipi. Tu vas beau racler les murs. Malgré même que tu étais un jour. Pipi s'est déshabillé devant toi. Sur WhatsApp. Même comme ça. Elle ne va jamais te niasse. La personne que Pipi peut niasse, c'est Amer Kamer. Parce qu'elle fantasme sur Amer Kamer. Même le morgue sait que Pipi ne peut jamais niasse. Du camino, tu es jaloux de Amer Kamer. Tu n'as pas le charisme de Amer Kamer. Tu es le dernier des blogueurs. Quand on te voit à travers ta caméra, tu donnes la nausée. Quand te bat un pied d'ennemi. Aucune femme ne veut te faire le bisou. Aucune femme. Parce que tes dents sont pourries. Tu as les pourris dents. Va te faire les dents, ton voix. Va chez le dentiste. Il t'a rangé tes dents. Tu as la carie dentaire. Tu racoles les cambiers à Paris. Dans le 17e là-bas. Je vais pas encore dire le nom du restaurant. Tu connais où tu es allé manger au restaurant. On t'a arrêté. C'est le coiffeur qui a payé, non? Il te dit, il y a la piste là. Il te donne déjà une information. D'où j'étais allé manger dans un restaurant à côté chez ton coiffeur. C'est le coiffeur. On est venu t'arrêter. Les gens t'ont arrêté que tu payes la nourriture que tu as mangé. C'est le coiffeur qui a payé. Pourquoi tu as fui ton coiffeur? Bah, tu n'as pas payé sa nourriture. Tu n'as pas payé l'argent de la nourriture qu'il a payé. Sans compter qu'une femme avait déployé son sac chez le coiffeur. Tu as enlevé 300 euros dans l'enveloppe de la femme là. Du camino, essaie encore de parler de mon enfant. Du camino, tu peux parler de moi, hein? Tu parles de moi, mais quand tu touches à ma punaise de mes yeux, maman, à ma punaise de mes yeux, à l'amour de ma vie,
Maman, quand tu touches à l'amour de ma vie, qui est ma fille Marie Aurora, la belle Marie Aurora, que quand tout le monde voit ses mains, tu as envie d'accoucher. C'est Dieu qui t'a dit, Dieu a lu mon cœur. Dieu m'a donné Marie Aurora. À moins d'un an, tu as conçu Marie. Je suis entrée en Italie, j'ai écarté, Marie est entrée. Dieu m'a béni avec Marie Aurora. Quand il y a eu un faux prophète qui va publier Marie, maman, il y a quelqu'un qui a dit que la personne attendait seulement qu'on voit Marie dans Internet. Maman, Facebook doit être en évolution. Facebook devait prendre feu. Facebook devait prendre feu. Mais c'est encore nous, envoie encore la demande. Il faut éteindre, tu rallumes, maman. Éteindre, tu rallumes. Éteindre, tu rallumes. Maman, tu essaies encore de parler de mon enfant Marie Aurora. Tu parlais encore de la punaise de mes yeux du Camido. Je vais t'écraser comme on écrase la censure. Lisez ta couille, envoie encore la demande, ma chérie. Il faut mettre les têtes de mort. Mettez les têtes de mort, je bloque les bêtises. Restez chez vous. On a demandé, restez chez vous. Vous avez compris, non, restez chez vous. Je vous ai tout bloqué. J'ai pas besoin de vous dans mes pages. Si je suis bien avec votre star, ça m'arrange. Voilà. Si j'ai un problème, j'appelle ma grande soeur, elle va m'aider. Mais je n'ai pas besoin de vous. Vous avez compris? Voilà. Restez chez vous. Mettez les têtes de moi, seulement bloquer la personne. Voilà. Restez chez vous. J'ai pas besoin de vous ici. Donc, si j'ai un problème avec votre star, je l'appelle. Elle peut m'aider, mais vous là, j'ai pas besoin de vous. Restez chez vous. Allez donner les milliards à tout ce que vous voulez donner. Continue à m'insulter, je n'ai rien à foutre. Donc, du Cambino, c'est juste un avant-goût pour te dire que tu me connais quand je viens sur toi. Je n'ai pas peur de toi. Je vais te verser. Et la dame là viendra appeler. La dame que tu as volé 300 euros dans l'enveloppe, sur le coiffeur. Tu connais de qui je parle. Et tu sais que c'est vrai. Je ne mens pas. Quand tu parles de mon enfant, quand tu parles de ma fille, de ma punaise, de mes yeux, quand tu parles de Marie, oh, maman, je suis capable de tout. Parce que c'est Dieu qui m'a donné Marie. Il y a des femmes qui font comme ça là. Quand tu enlèves du fibron, le gros fibron là, la tête de l'enfant dans le ventre. Et quand Dieu te bénit, te met encore maman, et maintenant l'enfant là, quand tu t'attends à moi, je finis avec ta race, je te mange. Donc du cacada, du cassaleté, du camindi. Préserve-toi. Quand tu veux parler de Nicole Kécha, évite de prendre mon enfant. Parce que ma fille vit une belle vie. Ma fille a tout. Toi, tes enfants, quand elle voit, quand tu regardes ma fille est métissée, elle a une belle peau métissée. Mais ton enfant, on sent l'enfant qui a le kwashiorkor. L'enfant qui n'a pas une belle peau. Mais tu as parlé de mon enfant. Les gens ne voient pas quand vous insultez ma fille. On ne voit pas quand tu insultes ma fille du Camino. Quand tu parles de ma fille dans ta putain de bouche. Pas tellement que tu es aigri. Si la mère de ton enfant te torture, moi, ce n'est pas le cas. Tu comprends? Ce n'est pas le cas. Il paye un petit kinder. Il vient monter que, oh, j'ai payé ça à mon enfant. J'ai payé ça. Un vrai père n'a pas besoin de parler. Tu comprends? Vous pourrissez la toile camerounaise. Vous pourrissez la toile camerounaise. Vous pourrissez cette toile. Donc, je n'ai pas peur de toi. N'essaye plus avec mon enfant. N'essaye plus avec mon enfant. C'est qu'il est fini avec toi. Et tu as donné une petite piste. Et tu as compris. La femme là, si tu t'amuses, elle va venir intervenir. Tu avais pris ces 300 euros. Et c'est le coiffeur qui a donné la moitié. Parce que la femme là t'avait agressé. Tout Paris est sorti. Le sang de coiffeur, c'était le château d'eau. Tu te rappelles. Et tu n'as pas fini de payer les 150 euros au coiffeur là. Tu t'amuses et la femme va venir intervenir sur Facebook. Parce que pour vous, vous croyez salir les gens. On ne me salit pas. Moi, je ne dois pas 5 francs à quelqu'un. Moi, Nicole Kécha, je ne dois pas l'argent aux gens. Je vis au dépend de mes moyens. La bise que j'ai portée, ma robe ici. Si tu viens dans 10 ans, tu me demandes. Je vais te montrer la même robe. La même robe. Je n'ai jamais prêté la bise. Je n'ai jamais prêté la bise avec. Même au Cameroun. Même mes copines me connaissent. Mes copines me voient sur Facebook. Même au Cameroun, je n'ai jamais prêté la bise à quelqu'un. Même que la Pérou, jamais. C'est papa. Je vis au dépend de mes moyens. Tu ne vends pas le rêve aux gens. Tu as compris du Camino. Dans les 5 plus sur ma fille, Marie Aurora, c'est qu'elle est finie avec toi. Les gens sont prêts pour toi. Quand tu t'attaques à Marie, parce que Marie a ses gens sur Facebook, quand tu t'attaques à Marie, tu t'attaques au grumier. Les gens ont fini avec toi à cause de Marie. Donc n'essaye plus sur mon enfant. N'essaye plus de parler ma fille dans ta sale putain de bouche. Elle ne te doit rien. Donc, le temps que tu passes ton temps à vociférer ta haine contre maman Pépé et ton Thierry, tu peux aller t'occuper de tes enfants. Paye un bon lait. Pour que ton enfant ait un teint métissé. Ben, ton enfant n'a pas le teint métissé. Ils ont un peu le teint comme il était un peu marron.
marron. Parce que j'ai même un ami qui est quelque part, qui m'a dit que Nicole, j'ai dit que j'étais fait ça sans vaseline. J'étais trop toléré. J'étais trop toléré du camino. Trop même. Ne pense pas que le silence est une peur. J'ai pas peur de toi. Donc méfie-toi de moi. Côte basse, un pied et demi. Saleté. Tu sens la moisissure. Quand on voit à distance, tu pues. Même te coiffer 10 euros, t'as dépassé. Tu es comme un fou. Tu crois que quelle femme, tu peux attirer quelle femme, tu donnes Camille de vomir. Mettez les cœurs, non. Ils sont en train de signer le live. Quand vous ne mettez pas les cœurs, ils signent le live. Ils signent le live. Ils ont créé un groupe de signalement. Ils ont créé un groupe de signalement pour signaler nos lives. Même quand Lisette Akounou est en direct, les gens signalent. Lisette Akounou est dans le noir. Vous la signalez. Vous la signalez. Laissez-nous, on s'exprime. Vous avez dit que non, qu'on n'a pas une team, qu'on n'est rien. Nous sommes zéro. Mais vous êtes jaloux de nous. On est la team la plus pauvre. On n'est rien. Mais on a ce que Dieu nous a donné. Notre fierté. La personnalité. On ne mendie pas. On est su de nous. Comme moi. On ne mendie pas. On dit telle mère, telle fille. Vous avez compris? Donc laissez-nous, on s'exprime. On ne vous doit rien. Donc, du camido. Du camidi. Du cas Cotobas, du cas saleté. Si tu t'attaques encore à ma fille Marie Aura, je vais finir avec toi. Sans. Donc, je n'aurai pas l'état d'âme avec toi. Je vais t'éclamousser. C'est comme on éclamousse la chaussure. Donc, c'est un peu ça. Avec toi là, je passe. Parce que je viens allumer le feu. Parce que je sais que j'ai mes chèvres sur Meta. Quand je viens, j'allume le feu. Je vais m'installer sur TikTok, là-bas. Sur TikTok, je vais pas m'installer là-bas. Je viens, j'allume le feu. Je vais encore venir encore une semaine. Je vais encore allumer encore. Bon, on passe encore sur un... on passe encore sur un autre échappat. Mes chers frères et sœurs, Métassi, c'est la sorcellerie. Métassi, c'est la sorcellerie. Voilà l'alliance noire. La Lesnga de Parachim. J'ai vu Raven Binda faire le poste. Dit que maman Pépé, et tonton Thierry sont derrière les nudes de Parachim. De Parachim. Hein? Parce que tout. Vous voulez tout mettre sur la tête de cette femme pour dire que non, c'est elle qui est mauvaise. Oh, aujourd'hui là, je salue la bravure de Gobapa, de Bout de Cheval, qui a fait un live. Elle a dit que non, que ce n'est pas le diamant bleu. Elle est venue dire non. Elle a dit que c'est elle. Elle a dit ceci qu'elle s'en fout. Que si on veut la type de la vérité, l'insulte. On la clash. Mais elle vient quand même dire la vérité que ce n'est pas le diamant bleu qui a publié son S. Que c'est Léonce Noire. La rose, la Léonce Noire, c'est elle qui a publié. Mais on a vu Rêve Binda, Rêve Saleté, Rêve Pourriture. Celle même qui n'a pas le soutien à sa taille. Apparemment, on m'aurait dit que tu es au Cameroun, apparemment. Tu te caches au Cameroun, Rêve Binda. Si tu es une femme. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai. Si tu es au Cameroun. Mais, on m'a dit que tu es au Cameroun. Mais tu te caches au Cameroun. Si c'est vrai que tu es au Cameroun, sors où tu es au Cameroun. Tu me dis que Nicole Kecha, je suis dans tel endroit au Cameroun. Tu vas voir, je vais te prendre. On va venir te prendre d'où tu es. Pour, tu peux au Cameroun porter notre enfant, le clochard. Tu vas venir parler de Nicole Kecha. Tu vas venir parler du diamant bleu. Tu vas t'asseoir, venir parler du diamant bleu. Toi, une fille que les seins arrivent au ventre, qui n'a même pas le soutien à sa taille. Hein? Tu te caches encore pourquoi? Pourquoi tu te caches? Vous avez que les relations, non? Pourquoi tu te caches encore? Tu te caches pourquoi? Vous n'êtes plus belle? Tu ne publies plus les moments des gens? Tu n'insultes plus les gens? Jusqu'à tu arrives au pays, tu te caches pourquoi? Tu te caches au Cameroun pourquoi? Pourquoi tu te caches? Sors de ta cachette au pays, on te voit. Sors de ta cachette au pays, on te voit. Sors de ta cachette au pays, on te voit. Où tu es au Cameroun? Je vais te prouver que je te dépasse. Malgré le carabote que je suis. Je vais te prouver que moi, Nico, que je te dépasse. On va te prendre où tu es là. Comme tu fais le sale boulot derrière moi. Tu as fait le poste pour que sur le diamant bleu et son mari qui ont mis les nudes de tonton Achille dehors. Gouba peut venir dire que non, que ce n'est pas le diamant bleu. Tu as eu honte. La honte pouvait te tuer. Gouba vous a prouvé que c'est elle qui commande votre team de vérité. Parce que dans votre team, même Pipi, même ta soeur Pipi a dit. Dans le groupe, il faut qu'on accuse le diamant bleu. Qu'on doit dire que c'est elle qui a mis les nudes d'Achille dehors. Mais Ngoba est sorti, vous mettez ça, bah, elle, que ce n'est pas le diamant bleu. Vous devez comprendre. Pipi, dans la sortie du Ngoba, tu dois comprendre que, malgré tout, au moins c'est ça. Je salue ce qu'elle a fait. Parce que vous avez voulu saluer l'image du diamant bleu. Vous avez voulu saluer son image.
tu n'as même pas rendu. Et tu dis que toi, tu es pour la femme. Mais comme si ça est du diamant, mais tu es capable de le... Tu es parti à la soirée avec ma grande soeur. Ma grande soeur a baissé ton pied. Tu ne peux même pas, toi, tu parles danser, tu mets tes pieds, tu soulèves ton pied pour séduire. Tu n'aimes même pas les jolies os, tu n'aimes pas les jolies os, tu n'aimes pas les jolies cuisses. Tes cuisses sont froissées, 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 froissées. Tu mets la mini-culotte parce que tu viens mettre tes pieds pour montrer que tu as les jolies. Elle a baissé ton pied là pour te dire que ça l'intéresse pas. Parce que toi, tu as dit que ma grande soeur était double cible. Mais comme toi, tu es une grosse manipulatrice, Pipi, tu as voulu montrer aux gens, si ma grande soeur avait laissé tes pieds que tu mettais comme ça, tu m'as fait croire aux gens que ce que tu avais dit, elle est ça. Mais elle a prouvé, elle a saillé, elle a baissé ton pied pour dire qu'elle n'est pas intéressée. Elle n'est pas intéressée par les hommes. Elle est intéressée par les hommes. Mais toi, tu as voulu la saillir parce que toi, tu es l'aîné. C'est toi qui es l'aîné, Pipi. Parce qu'une vraie femme qui n'est pas l'aîné, comment tu peux danser avec une femme? Tu viens, tu souhaites, tu lui montes tes cuisses. Tu lui montes ça, papa, à quoi? Papa, quoi? Hein? Papa, quoi? Parce que tu l'as séduit. Tu croyais la séduire. Tu n'es même pas son genre. Tu croyais la séduire. Mais elle t'a dit qu'elle n'est pas dedans. Elle a son gars. Elle a son homme qu'elle aime. C'est toi qui laisses bien, Pipi. Tu lèches des femmes. Tu crois te mettre avec elle pour la lécher. Tu ne peux pas lécher ma grande soeur. Tu ne peux pas la lécher. Elle n'est pas une lesbienne. Elle aime le bon plantain. Elle aime le bon plantain. Toi, tu es une lesbienne. Une lesbienne reflée. Toutes les femmes avec qui tu niasses sur WhatsApp ne t'assume pas. Comme les hommes t'ont refusé, tu te retournes au lesbinage. Mais tu crois qu'en mettant tes pieds là, tu pouvais...